Le Lurcher ou Lévrier écossais est une ancienne race de chiens de chasse, presque perdue au début du XIXe siècle, mais restaurée plus tard. Diffère par un caractère calme et équilibré, de l'affection pour le propriétaire et les membres de sa famille. Utilisée uniquement pour la chasse et comme compagnon, elle est privée de compétences de garde, car elle est fidèle même aux étrangers. Peut être nocif pour les animaux. Lurcher est une race de Lévrier écossais. Utilisé historiquement pour chasser les ongulés en voiture sur des terrains accidentés et difficiles la race tire son nom du fait que tout d'abord ces chiens étaient utilisés pour chasser le cerf et les autres noms sont dire greun Scottish dire greun Scottish lurcher la race est reconnue par de nombreuses fédérations canines fait saillant et faits intéressants le stagun, ou le cerf américain est considéré comme une sous-espèce du cerf de virginie Visuellement, ces chiens sont très similaires, ce qui a permis de considérer les stagounes comme une sous-espèce du lévrier écossais. En fait, les stagounes ne sont pas exactement de la même race, car ils contiennent un mélange de sang de lévrier. Sur le continent américain, les stagounes se développent depuis le XVIIe siècle, lorsque les premiers colons venus d'Europe ont amené avec eux plusieurs lévriers européens. Au cours de leur adaptation aux nouvelles conditions, le stagoun a été formé sur la base du daim. En fait, le stagoun n'est pas une race stabilisée, mais continue d'être élevé comme un mélange des deux, le soi-disant hybride ou l'hirché. Le mélange de sang de lévrier donne aux stagoun une vitesse et une excitation plus élevées dans leur travail que les cerfs. De plus, en comparaison avec les lévriers, ils ont une plus grande endurance, un entretien sans prétention et une plus grande capacité à tolérer des températures négatives. Le caractère des stagoun ne diffère pratiquement pas de celui des cerfs ils sont également actifs. Persistant à la poursuite de proies et sont en contact avec leurs propriétaires. En anglais, l'urcher s'appelle l'urcher. Le mot l'urcher vient du moyen anglais l'urche, qui signifie se cacher ou rester dans un endroit furtivement. En anglais archaïque, le sens du mot l'urcher est un prédateur, un escroc ou un petit voleur. L'origine du mot peut être du français l'archer, ce qui signifie se déplacer soudainement sur le côté. Histoire de la race. En Angleterre. La distinction entre greyhound et Diroun était à la fois légale et biologique. Les lévriers n'étaient utilisés pour la chasse légale que par la classe supérieure privilégiée qui pouvait montrer ses qualifications avec un revenu ou une fortune suffisant. Depuis 1389, il est interdit à toute autre personne à faible revenu de chasser avec un chien, y compris un chien de chasse. Brian Plumet identifie les Norfolk Lurcher comme les précurseurs des dhirun modernes. Lurcher appartient aux lévriers à l'ancienne. Les premières mentions officielles du type reine lévrier se trouvent dans les écrits du XVIe siècle. Dans le même temps, les lévriers à poils grossiers, auxquels appartient le lurcher, sont beaucoup plus anciens, leurs références se trouvent dans des sources datées des 8e 9e siècles. Pendant longtemps, les dains étaient une race que seuls, les connaisseurs avaient le droit de garder. Dans le même temps, les dains ont gagné en popularité à la fois en Écosse et en Angleterre. À la fin du XVIIIe siècle, la population de cette race a sensiblement diminué en raison du déclin de l'intérêt pour la chasse forcée. À partir du milieu du XIXe siècle, l'intérêt pour la race a repris et les daims ont commencé à gagner en popularité en tant que chiens de compagnie. À peu près à la même époque, la race a commencé à être activement engagée en Amérique, où, en conséquence, la race a reçu la première reconnaissance officielle lorsqu'en 1886, le premier standard de cette race a été adopté par l'American Kennel Club. Les cerfs communs ont été reconnus par la Fédération cynologique internationale en 1955. Pour le moment, la race est assez peu nombreuse, distribuée principalement dans son pays d'origine et aux États-Unis. Apparence L'Urché est l'une des races de chiens les plus grandes. La norme pour cette race n'indique que la taille minimale des femelles et des mâles, tandis que la limite supérieure de croissance n'est pas limitée. Dans le même temps, le poids des dents n'est pas grand pour les chiens de cette taille, car ils ont une constitution asthénique, comme tous les lévriers. Ces chiens peuvent être décrits comme suit. La tête de cette race a des proportions allongées avec un crâne plat. La transition du front au museau n'est presque pas prononcée. Le museau est fortement allongé, se rétrécit vers le nez et présente une légère bosse. Le nez est noir ou foncé, large. Les lèvres s'adaptent étroitement aux dents, elles n'ont pas d'ailes et de fanon coriaces. Le relief des mâchoires est bien exprimé, les dents sont grandes, avec une morsure en ciseaux pleine. Les yeux sont petits, arrondis, rapprochés. Oreilles attachées haut, tombant à mi-chemin et décontractées. Dans un état agité, le chien peut lever complètement ses oreilles. Les oreilles dressées sont également acceptables et ne sont pas un inconvénient. La crête occipitale est très développée, le passage de la tête au cou est bien prononcé. Le corps est allongé, donne une impression de volume en raison de la poitrine prononcée. Le dos est fortement cambré vers le haut, le poids le plus haut du dos est au-dessus du garrot. La longe est visiblement courbée, tombant fortement vers la queue. La croupe est large, très fortement musclée et haute. La queue est longue, atteignant presque le sol, fine et légèrement mobile. Le plus souvent, la queue des pend librement et, en mouvement, elle ne s'élève pas plus haut que la ligne arrière. Les membres sont droits, très longs, parallèles les uns aux autres. Les omoplates sont fortement développées sur les membres antérieurs. Les coudes sont fermement pressés contre la poitrine et sont situés au-dessus de la ligne de poitrine. La transition de la pâte au métacarpe est bien définie, le métacarpe lui-même est mince. Les membres postérieurs sont longs, légèrement plus longs que les membres antérieurs. La cuisse est bien musclée et volumineuse, l'articulation du jarret est basse. Le métacarpe est court, les pattes elles-mêmes sont compactes, avec de longs orteils rassemblés dans un arc élevé. Les griffes doivent toucher le sol, le pelage est hirsute, épais, dur. Le chien donne l'impression d'être négligé, un peu échevelé. Les poils sur le corps, le cou et la partie supérieure des membres mesurent une dizaine de centimètres de long et sur la tête, la poitrine, le ventre et sur le bas des jambes, les poils sont courts, presque lisses. Sur le visage, près des oreilles et sur les pommettes, le pelage forme de petites taches. La couleur est toutes les nuances de gris, zonal, moins souvent rouge clair ou fauve. La présence d'un masque sur le museau et de petits bringés de couleur est acceptable. Les marques blanches sont également acceptables, mais pas souhaitables. Traits de caractère distinctif. Les cerfs sont imprudents et têtus dans leur travail, tandis qu'en dehors de la chasse, ils sont assez calmes et retenus. Lorsqu'ils sont gardés à la maison, ils ne sont pas sujets au bruit et à l'activité. Ils sont affectueux et affectueux envers les gens, tant envers les membres de la famille qu'avec les étrangers. En raison de ses traits de caractère, il est impossible d'utiliser des chiens de chasse pour se protéger, malgré leurs grandes dimensions. En raison de leur nature gentille et douce, ces chiens s'entendent bien avec les autres chiens de la maison et sont également patients avec les enfants. Mais rester avec d'autres espèces d'animaux peut être compliqué par le fait que les daims ont un instinct de chasse très développé. Lorsqu'ils interagissent avec les deux personnes et avec leurs camarades à chevreuil, ils ne sont pas enclins aux jeux actifs. En marchant, ils n'ont pas besoin d'une charge constante. Les chiens de chasse font preuve d'indépendance dans la prise de décision, comme la plupart des chiens de chasse. Les équipes pédagogiques sont lentes et nécessitent de la persévérance et de l'attention des propriétaires. Maintenance et entretien L'urché prospérera avec des aliments pour chiens de qualité. Tout régime doit être adapté à l'âge du chien. Certains chiens ont tendance à être en surpoids, alors gardez un œil sur l'apport calorique et le poids de votre chien. Les friandises peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou la santé de votre chien. De l'eau propre et fraîche doit toujours être dans le bol. Santé Les maladies les plus courantes caractéristiques de cette race sont la cardiomyopathie, le champ portosystémique, la cystinurie, l'hypothyroïdie, l'allergie respiratoire et la dysplasie. Les cheveux des Dhiro nécessitent un toilettage régulier, ils doivent être peignés ou coupés plusieurs fois par semaine car les chiens de cette race perdent activement. Pendant la période de croissance, les chiots doivent faire attention à leurs pattes, il est important d'éviter de monter et de descendre des escaliers ainsi que les sauts en hauteur. Lors de la culture de serre, leur alimentation doit être riche en calcium et en minéraux. Prix et comment acheter correctement. Le prix moyen d'un chiot lurché est de 700 dollars en bout de ligne. Le lurcher est un chien de race mixte, en particulier un lévrier, accouplé à un autre type de chien, le plus souvent un chien de berger ou un terrier. Historiquement, le chien est un braconnier, de nos jours ils sont gardés comme animaux de compagnie, ou comme chiens de chasse. Les chiens de chasse étaient traditionnellement utilisés comme chiens de chasse, mais maintenant ils ne sont presque jamais utilisés pour la chasse pratique. La chasse a été remplacée par des sports canins tels que le coursing et la course à pied, dans lesquels les dhirun se comportent bien. En raison de leur nature douce et de leur contact avec les gens, les daims sont également utilisés comme chiens de compagnie.